Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur Abba encore une fois, j'avais envie de dire jouer un petit peu et j'ai 1200 balles donc on peut acheter des nouveaux persos. J'aurais bien aimé acheter genre Naruto ou Sasuke Shippuden mais je n'ai pas l'argent pour le moment. Donc on va voir qui on va acheter. En vrai je ne sais pas, je pensais prendre Jotaro donc je pense qu'on va partir là-dessus. Parce que de toute façon les autres persos sont un peu plus chers donc let's go Jotaro. Let's go. On va casser des bouches, ou je vais me faire éclater hein, surtout parce que je sais pas comment il se joue. Ok donc, taisez-vous. J'invoque Star Platinum, d'accord, mais t'es qui toi? Tais-toi, tu fermes pas ta gueule hein. Ah, pourquoi je tremble? Cassez-vous. J'ai un stand, stand rush. Ohlalalala. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? T'es nul toi. Starfinger, ok raté. Stand défense, bien joué. Bien joué Star Platinum, ok non, c'est moins bien joué. Oula. Oh, ok d'accord, donc il a un gros punch. Un gros spam. Une attaque à distance. C'est pas trop deck. Faut que je pense à me défendre. J'y pense jamais vu que je suis un utilisateur de stand. Mais il faut le faire. Ok hop. On spam. Ça marche pas. Ça marche pas. Bon viens là. Oula. Non. Ah. Ok. Technique secrète. Stand défense. Ah. Non. Je suis nul. Oh putain je suis éclaté. Je suis pété. Je suis nul, c'est incroyable, je pue la sauce, je suis nul. Après, pour ma défense, oui. Non, pour ma défense, j'ai à peine acheté le perso, c'est ce que je veux dire, voilà, ça va être mon excuse. Ah mince, la game va bientôt se finir, j'aurais pas eu le temps de m'éveiller. Oh là là là, mais quoi, mais comment tu te TP toi? Tu reviens ici tout de suite. Et, ah, ok, d'accord, je vois le problème, je vois. Arrêtez. Eh mais c'est éclaté par contre d'avoir une technique de défense. Dans mes techniques, c'est la même chose que juste me protéger, je m'en tape un petit peu. Il y a sûrement une différence, hein, mais je ne sais pas ce que c'est. Et ce qui me trouble aussi, c'est que du coup, eh bien, toutes les techniques sont loin devant moi. Genre, elles sont pas vraiment corps à corps. Et ça fait très bizarre. Mais taisez-vous, hein, taisez-vous. Les persos qu'on leur. Les persos qui ferment pas leur gueule, ils m'énervent. J'ai l'impression que c'est que les persos de Fate. Hein. J'aime pas dans n'importe quel jeu les personnages qui... Enfin, dans n'importe quel jeu Roblox, les personnages qui ont leur voix. Parce qu'en général, c'est super fort. En général, tu entends que parler. Et ça m'énerve. Ok, bref. On va acheter un skin à Usopp. Balance un skin Usopp. C'est quoi? Naruto jeune. Jeune, très jeune, hein, du coup, il me semble. Ok, un autre. Juste pour le plaisir. Oh, et Ichigo, je m'en bats les stacks. Vous savez probablement tous très bien que Bleach, je m'en tape. Désolé pour les fans de Bleach, mais moi, je suis allé genre à l'arc Soul Society et j'ai arrêté. Parce que finalement, ça m'intéressait pas. C'est pas mon truc, c'est juste pas mon truc. Peut-être qu'un jour, je redonnerai sa chance, mais ce jour n'est point encore arrivé. Casse-toi, Shoto. Il a. Il n'y a pas une super portée pour l'instant. Ah, casse-toi. Pourquoi j'ai la musique? Attendez, c'est très grave. C'est très 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 grave parce que j'ai de la musique copyrightée en fond là. Le stage a mis la musique du tournoi du pouvoir en fond. On l'entend pas beaucoup mais c'est quoi ce bordel? Non, pas de musique. Pas de... Je sais pas pourquoi c'est réactivé, c'était bizarre. Alors, c'est reparti cette fois, on y va pour de vrai. Let's go! Let's go! Let's go! Je suis très très long, hein. Ça va venir, ça va venir. Je vais attaquer le mec qui a le plus de PV je pense. Ok, je vais attaquer celui que je peux parce que c'est pas simple. Oula! Aïe! Ok, bah ça fait mal. Hein. Ça fait. Arrêtez! Stand défense. Ok, ça permet de se bloquer en plein milieu d'un combo, j'ai l'impression. Ce qui en soi n'est pas très utile. Je ne vais pas vous le cacher parce que ça n'arrive pas souvent de se prendre un combo. Arrête! Stop! Stop! Tu arrêtes! Tu arrêtes! Oula! Ok, ok. Attention, il faut bloquer. Il est Izuku là, on va le finir. Bra, 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 c'est un noobie! On les tue nous les noobs! Parce qu'on a aucun honneur. Ah mais attendez, mon stand était stun. Oh, il est éclaté de Jotaro. Il est pété, mon frère. Je sais qu'il y a des gens dans le chat, dans les commentaires. Je suis cru en stream, moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Il y a des gens en commentaire qui vont me dire « Mais non, mais tu dis n'importe quoi. En fait, il est super fort. » Ça m'arrive à chaque jeu Roblox. À chaque fois, je vais dire « Ah, mais ce perso ou cette technique, elle est pas dingue. » Et t'as toujours un mec. Un mec qui l'utilise ou qui a trouvé comment l'exploiter, qui dit non, en fait elle est trop cool. Et je suis sûr qu'il va y en avoir dans cette vidéo qui vont le dire aussi. Parce que ça m'est aussi arrivé de déjà me foutre de la gueule de gens qui vont dire X ou Y truc dans un jeu Roblox. Et je vous jure que même quand je fais ça, les gens se disent pas, je devrais peut-être pas le dire cette fois. Ils le font quand même.
Parce qu'ils sont stupides. C'était. Je crois que le moment dont je me souviens le plus, c'est genre. Je disais, ouais, selon moi, telle méthode pour XP, c'est la plus fun. Et j'ai fait des calculs et c'est la plus efficace. Et je sais qu'il y a des gens qui vont me dire que c'est pas le cas. Mais d'après ce que je sais, ça l'est en fait. Et il y a toujours des gens qui vont me dire, en fait, t'as tort. En fait, il y en a une autre plus efficace. Et voilà, ça repartait. Alors que moi, j'avais fait mes tests. Eux, c'est genre, c'est Billy qui a joué une heure au jeu. Il sait pas du tout de quoi il parle. Ça m'est aussi arrivé avec. Un moment où je disais, ouais, moi, et ça c'est un truc qui est vrai, quand je joue à un jeu, et d'autant plus les jeux Roblox, c'était pas un vrai Saitama, d'accord. Donc, quand je joue à un jeu, et d'autant plus un jeu Roblox, je joue pour le fun, en fait. Je m'en tape un petit peu de ce qui est le plus efficace, si ce qui est le plus efficace n'est pas fun à jouer. Genre si par exemple, le meilleur perso de ce jeu, c'était un perso qui juste faisait des giga rayons et c'est tout, et juste il one-shotait tout le monde, bah je m'ennuierais un petit peu, je préférerais un personnage qui a un peu plus de combo, un petit peu plus de skill. Je trouverais ça plus intéressant. Et du coup je me fais éclater là avec Jotaro. Et du coup j'ai, voilà, sur n'importe quel jeu et surtout les jeux Roblox, je prends les trucs fun en fait. Je m'en fiche de ce qui n'est pas fun, que ce soit fort ou pas. Et je l'ai dit une fois dans une vidéo en disant voilà, ça sert à rien de me dire que je joue pas de la bonne façon ou quoi que ce soit, parce que je m'en bats les steaks. Laissez-moi jouer comme je veux, moi je veux juste m'amuser. C'est un jeu vidéo, ce n'est pas pas compétitif en réalité. Enfin, ce jeu est techniquement compétitif, mais vous verrez jamais de l'e-sport de ce jeu. Et du coup, bref, je disais ça pour je ne sais plus quel jeu. Et je disais, je vois venir les gens en commentaire qui vont. Ah! Qui vont concrètement eh bien me dire que je joue pas ce qu'il faut. Et effectivement, vous savez très bien ce qui s'est passé. On me l'a dit quand même, alors que je me suis foutu de leur gueule et j'ai dit que ces gens étaient relous. Ils étaient en mode, ah ouais, moi j'adore être relou, ça tombe bien. Ok, attendez, je me suis éveillé. Ok, là c'est l'heure de plus rigoler. Ok, Stand Rush, The World, Stand Leap. Wouhou! Oh là! Stand Rush, je sais pas pourquoi il. D'accord. Ça, vous voyez, ça, c'est OP comme perso. Et je sais que c'est OP, mais niveau fun, je sais pas si je m'amuserais en vrai à juste faire un rayon à one-shot des gens. Donc, à voir en vrai. Mais vous voyez, c'est l'exemple, tout est parfait. Ah! Mais du coup, ouais, je sais pas pourquoi ils ont... Aïe, 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 ils ont échangé des techniques de place parce que mon Stand Rush, je l'ai toujours, mon Aura aussi, mais ils ont plus la même touche. Et c'est pas la première fois que je vois ça sur ce jeu, où genre t'as la même technique en éveil, mais tu sais pas pourquoi, au lieu d'être sur 1, maintenant elle est sur 4. Je sais pas pourquoi ils font ça. Non, je voulais m'éveiller. Vous me faites chier. Ça m'énerve. On va changer, je ne prends plus Jotaro. On n'aura jamais vu The World, c'est dommage. Mais je n'arrive à rien avec lui, très honnêtement. En fait, le problème, c'est qu'il se joue très très corps à corps, et il a pas de moyen de dasher vers les adversaires. Et du coup, bah, dès que je tombe sur un mec qui joue distance... J'ai l'impression, du moins, que je me fais casser la bouche. Donc, nous allons prendre Killua, qui est lui aussi corps à corps, mais il a moyen de dasher. Donc, lui est beaucoup mieux. Et il est plus sympa à jouer, je trouve. Vous allez voir. Pareil, ça, c'est le genre de perso. C'est l'un d'être l'un des meilleurs. Et je sais très bien que la dernière fois que j'ai fait une vidéo avec lui sur ce jeu, il y a des gens qui me disaient « Ouais, mais Killua, il est nul, joue plutôt tel perso. » Et je m'en tape. Genre, c'est probablement mon personnage préféré sur le jeu. Donc, franchement, je m'en fiche. Du moins, des personnages que j'ai essayé pour l'instant. Il y a un mec qui est... Il y a un mec qui est dead actuellement. Il est AFK. On va s'en occuper. Ah, j'ai fucked up. Ok, ça c'est bon. Aïe, 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 aïe. Ok, technique secrète. Hop là. J'aime bien cette technique parce que juste à chaque fois, elle bloque les gens. Voilà, juste. Il va bloquer comme un débile. Et après, j'ai l'occasion d'essayer de le fumer. Là, j'ai besoin de me remettre dans le mood. Hein, genre, c'est pas vraiment un mood, mais. J'ai besoin de me remettre dans le truc. Hein. Je suis éclaté parce que j'ai pas joué Killua depuis. Un an et demi, probablement, à peu près. Un an et demi, je pense. Donc ça fait un moment. Même ce jeu, ça faisait déjà un moment que j'avais pas rejoué. Hop, voilà, on peut faire glisser les gens. Ça, c'est fun. Qu'est-ce que tu fais? Mais je bloquais. Ok, technique secrète. Les clowns. Ah bah, tu peux pas tuer mes clowns, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu veux faire, une rafale? Bah, moi aussi, je voulais essayer, mais c'est raté. Mais lâche-moi. Il m'énerve! Je suis nul! Ok. Hop! Ok, c'est bon, j'ai enfin réussi à tuer quelqu'un, merci. Et je me fais retuer. En fait, je pense que le problème, c'est pas Jotaro qui est nul, c'est moi qui pue la sauce. J'étais
tellement meilleur avant. Ou alors c'est les gens qui sont meilleurs et moi qui suis toujours aussi nul. Je sais pas, je m'en sortais mieux avant en tout cas, j'ai l'impression. Je pense que j'ai perdu de mon skill, je pense que c'est sûr. Hop, je peux rien faire, Zoro. Voici mes clones. Ok, je viens de me souvenir que je pouvais dasher pendant que je faisais la technique numéro 3, c'est très pratique. Attention, il y a plusieurs Zoro. On va aller sur un skateboard. Le skateboard, let's go. Hop. Ah, je pensais que tu te ferais briser ta garde, je suis étonné. Ok, mes clones, allez-y. Allez-y. Non, il y a un mec là. Hop, on le fait glisser. Ah, yes, Saitama qui est arrivé, je pense. Parce que là, on s'est tous fait one shot, j'avais une giga attaque. Je suppose que c'était Saitama. Allez, on y retourne. Skateboard. Salut Kizaru. Salut, excusez-moi, mais pas de duel ici. Hop là. Et on est dans l'arène de Dressrosa, il y a pas de... Oh là là là, il n'y a pas de duel ici. Ok, je pense que c'est pour ça que j'avais acheté ce perso. C'est parce qu'il est dingue, il a l'air plutôt fumé. Je pense que c'est pour ça que je l'avais pris. À mon avis, c'est quand j'ai fait la vidéo qu'il lui a, on a dû me dire achète EA. Je crois que c'est son nom. EA Sports. Ah, je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne sais même pas de quel manga il vient. Je l'ai su un jour, mais j'ai oublié. Ok, bon, Killua en éveil. Je ne sais plus comment il se joue. Ah, si, c'est, je me souviens. Regardez, ça va être drôle. Oh non, il l'ennerf. Le seum. Avant, ça faisait bien plus les dégâts. Ok, je sais pas pourquoi la musique est devenue super forte. C'est la loi des playlists. Hop. Hop, 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 hop. Vas-y, t'es en haut. Maintenant, on esquive quelques secondes. Bah alors. Bam. Ok, ça c'est bon. Hop, hop, brrré. C'est OP, cette technique est OP. Ok, attention. Exécute. Je lui prends son cœur. Je ne suis plus éveillé. Attends, si je suis encore. Ah bah je suis plus, ça y est. Il fallait bien que ça arrive. Ok, viens là Goku. Ok, je l'aurais pas. Viens là. Ah. Mes clones, ils vont le distraire. Voilà, ils le stunlock. Pendant ce temps là, je le fume. Nickel, on va juste baisser la musique, hein. Elle est peut-être un tout petit peu trop forte du coup. J'espère que non, c'est chiant, c'est les playlists. Mais la plupart du temps quand je fais des vidéos, à part les vidéos Roblox du coup, les vidéos Roblox, je me mets les musiques en fond. Mais sinon la plupart des vidéos, vu qu'il faut faire le montage et tout dessus, pour faire des cuts, j'ai genre pas de musique en fait. Vous savez à quel point c'est triste de filmer une vidéo pendant 2 heures et t'as zéro musique en fond. C'est ce qui m'arrive à chaque fois que je fais une vidéo Minecraft. À chaque fois, c'est vide. C'est vide de dingue. Et je pense qu'en vrai, très franchement, ça influe sur ma capacité à kiffer le jeu. Je pense très franchement. Parce que généralement, quand je farm sur un jeu, quand j'ai de la musique, y a pas de soucis, ça ok, tu vois. Mais quand je filme en vidéo sur un jeu Minecraft, j'ai tout le temps la flemme de filmer. Aussi parce que j'ai l'impression de perdre mon temps dans le tournage. Je me dis, je pourrais tellement faire plus court. Mais je pense que le fait qu'il n'y ait pas de musique, ça influe beaucoup. Parce que juste, c'est le silence. C'est le farm en silence, c'est ennuyant de dingue. Et en vrai, il faudrait que je trouve une solution. J'hésitais. Hop là, t'as glissé. J'hésitais un petit peu à. Je sais pas pourquoi je dis un petit peu à chaque fois que je dis ça. J'hésitais à. Juste en fait, couper le son du jeu. Couper le son du jeu au montage, du moins. Comme ça, je peux me mettre de la musique. Il y a des chaînes qui font ça. Il y a des gens qui n'ont pas le son du jeu. Parce qu'ils se mettent de la musique. Je sais pas, franchement, si c'est une bonne idée. Je pense que ce serait un peu moins agréable pour vous. Pour moi, ça serait peut-être plus cool. À voir. Je pense à voir. Peut-être que j'essaierai dans une vidéo. Je ne sais pas encore. Ok, bon. J'ai encore perdu. C'était inévitable. On va acheter un nouveau skin. Let's go. On va se mettre en mode AFK pour pas se faire tège. Dégage, je m'en fous. Vas-y, Usopp. Balance. Tanjiro. Le skin n'est pas deg. Ok, suivant. On achète tous les skins. Sanji blanc. D'accord, Sanji ultra instinct. Et Tanjiro encore. C'est vraiment dommage hein, parce que je joue pas Tanjiro. Mais ça me fait pas mal de skins aussi. Je crois que j'avais des skins sur Killua. Ah, j'ai celui-là, il est pas deg. J'ai que celui-là, ok, bon, le seum. Et sur Tanjiro, du coup, j'en avais déjà. C'est dingue, il me file v'là les skins sur Tanjiro et les skins sont pas deg. Sauf que je m'en tamponne parce que je ne joue pas. Ça me flingue, bref. On va s'arrêter là en tout cas. Merci à tous d'avoir suivi. Voilà, c'est une petite vidéo un petit peu pour le fun. Je ne vous le cache pas. J'avais envie de faire une mini vidéo. Vous n'inquiétez pas, Dragon Block arrive dès demain. Mais là, j'avais pas du tout le temps les derniers jours de le filmer. Donc c'était un peu complexe. Je galère un peu en ce moment avec mes études, mes rendez-vous,
tout, tout ça. Je galère un peu à trouver le temps de filmer les vidéos les plus chronophages, et c'est bien dommage. Je vais juste me refaire ce truc, je suis même pas concentré dans mon truc. Allez, au revoir.